Regard. Regard se veut un espace hebdomadaire idéal pour nos concitoyennes et concitoyens de l'intérieur comme de l'extérieur. Analyse lucide et commentaires objectifs de l'actualité nationale et internationale. Religion, politique, histoire, économie, éducation, sociologie, art et culture. Regard, une émission préparée et présentée par Jean-Samuel Trézil. Voilà, et nous, dans la Coupe Boston, côté nous avons avec nous M. Jean Risséan, candidat à la présidence. Et Télé-Louange, j'ai une chance pour le rencontrer avec elle aujourd'hui pour nous faire un petit causer sur la question élection et élection législative, élection présidentielle qui va gagner pour fête dans le pays. Donc, naturellement, et campagne électorale là pour commencer. Mais nous avons avec nous Nabdi Médecin. Et bonjour, et est-ce que c'est dans la campagne ou est déjà médecin? Bonjour Trézil, il m'a profité pour me saluer tous les téléspectateurs télévision L'Hôtel de Louange, et c'est avec plaisir que m'a participé dans l'émission ça. Et ça fait longtemps moi-même m'a caressé l'idée de compromettre moi avec la diaspora, parce que je crois en pile dans l'avenir pays avec la diaspora. Bon, peut-être qu'on a gagné plus chance plus vite devant pour poser une question. Sous question, est-ce que c'est dans la campagne? Certainement. Moi-même, moi toujours dit, moi entré dans la campagne depuis le 5 juin 2011. Après l'élection 2010, nous songez comment ça s'est passé. Là, nous venons entrer maintenant en 2011, côté président Martelly, prêté serment le 14 mai. Moi, j'ai décidé tout de suite après, m'entrer en campagne. Et m'entrer en campagne. Je ne pas entrer en campagne ouverte, en campagne officielle. Mais m'entrer en campagne, moi, j'ai fait tout pays à 3 fois. Pendant 4 ans, côté que mal mobilisé, mal sensibilisé peuple là, pour que ça qui passe en 2010 n'a pas passé encore. Oui, ma campagne, moi, je ne vais pas cacher personne. La campagne n'a pas encore ouvert officiellement en Haïti, mais et, moi, après inscription, après acceptation, après publication liste, donc pas un candidat qui part en campagne. Le, c'est ça. Et la présence d'un candidat, présence d'un côté, c'est campagne liée. C'est ça. Et, mais et, on dit que pour ça qui passe en 2010 là, pour ne pas passer encore, élections législatives sont organisées dans le pays. 9 août qui s'est passé là, en pile, contradiction au niveau élection ça y est. Comment au niveau Remé Haïti, mettez en ouais, élection ça y est. Bon, même moi, c'est une catastrophe électorale, parce que, et c'est ça qui fait plus mal, c'est que moi, ouais, monsieur CEP fait tellement effort, t'es qu'il y a tellement de mesures qui te prend au niveau du CEP, ça va te dériver. Et l'élection qui s'est passé là, c'est une honte pour la nation. C'est une honte aussi pour le CEP. Et Jean Bagayou organisé, hein, pas de gain trop de problèmes. Maintenant, mécanisme de mise en place pour vote là, c'est vraiment catastrophique. Et Remé Haïti réprouvé, nous, mais nous pas demandé annulation élection. Nous demandé simplement, nous t'es entré dans une solution de sagesse. Nous demandé pour que CEP ait accepté pour nous constituer en commission mixte qui t'ait gagné la donne des partis politiques. Qui te gagne la donne société civile, qui te gagne la donne CEP, qui te gagne la donne gouvernement, et qui te gagne la donne peut-être même des représentants de candidats, pour nous déchirer ensemble, garder ça qui passe. Parce que je ne vais pas mettre tout sous dos CEP. Parce que gagner, ou tu as quand même dit son sorte de complot que tu as fait, même pas mettre tout sous dos CEP. Il y a un relâchement au niveau de CEP, il y a un manque d'attention dans ces débats qui t'a passé, au niveau de mandat, par exemple, qui t'a doué, qui t'a dessiné avant coureur, qui t'a dessiné, qui t'a pas le montré, mais qui n'est pas qui va le passer. Bon, il n'y a pas de prendre mesure, il y a doué prendre, mais je pense que tu as une chance pour CEP à déchirer avec tout le monde, ça me dit là, pour nous garder ensemble comment porter solution. Dans le côté que tu as pile, le côté que tu as bureau fermé, comment analyser même le résultat pour que nous n'ayons pas de résultat. Catastrophique ça encore. Et le résultat qui sort là, c'est inadmissible. On dit que vous avez en fait KEPA un petit pourcentage de crédit pour l'effort que pour l'élection ça organisée. Et selon vous-même, est-ce que qui secteur vous pensez que tu as derrière pour écraser l'élection ça pour empêcher que l'élection ça soit organisée 4 ans après que l'élection était supposée faite dans le pays? Je ne crois pas que besoin secteur était besoin d'élection écrasée. Non. Moi, quoi, plutôt, il y a eu besoin de prendre l'élection. Donc, au cas qu'on est, on est les partis politiques qui ont gagné des avantages particuliers, conseillers de l'autre parti pas de gain. Par exemple, la question des mandats.
moi quoi et même public Boston comprendre il y a un élément qui mettait nous dans situation ça avec élection là c'est affaire mandat qui s'est passé gagner une catégorie monde qui était gagner mandat au bonheur et qui ont même dit qui était gagner moyen pour fabriquer mandat yo. Donc qui vient faire quoi qui vient faire que gagner des partis qui étaient en pile mandat dans mayo mandat c'est un papier au baou qui permet que wal l'en bureau de vote ou wal veiller ça qui a passé dans faveur parti ou là ou son représentant de parti ou là et leur gagner mandat ou qu'à voter dans n'importe qui bureau ou pas besoin et c'est dans bureau qu'on doit affecter vraiment pour aller voter ou qu'à voter n'importe qui bureau donc leur ou un parti politique qui gagne par exemple 200 000 mandats dans main qui la gagne 200 000 monde et monde ça qu'à voter n'importe qui côté donc il est facile que monde ça yo côté pas gagne monde qu'à voter y aller et très souvent y plein une et tout donc ou t'as un problème ça ou un problème et membre et bureau de vote yo depuis avant qu'on passe le parti politique dont remet Haïti ou yo fois ou fait tirage au sort ou une série de monde ko ou même ou tirer au sort l'or bay monde pour yo et puis l'or aller ou remet Haïti et puis son l'autre monde qui bon côté tout ça on attire attention CPA li pas de prendre mesure que le doit prendre la question superviseur yo son l'autre gros question les superviseurs qui t'a supervisé élection presque tout nom tout bureau yo sont seule catégorie monde joindre la donne ou pas joindre l'autre parti politique yo ou joindre parti qui proche pouvoir bien entendu donc moi je crois que c'est des éléments qui t'ont montré clairement non t'as pas tombé dans un brigandage électoral et c'est ça qui est là et résultat élection yo en fait jodi a qui publié déjà montré que Bouclier et PHTK parti ça yo vérité yo parti m'a dit privilégié par rapport à toute l'autre partie et ou proposer pour ta gagner une commission est-ce qu'on pas penser proposer en commission le temps pour aller jouer contre nous non non m'te proposer l'avant ben résultat yo je pas attendais et ça gagne droit mettez problème ça crive la connia gagne un manque un déficit de crédibilité pour CEPA à partir du moment où le résultat est publié, malgré appel parti politique, yo, qui entre dans la sagesse de, du compromis que M. Patandé, CEPSA n'est pas un crédit encore. Même dit clairement, pas un monde qui va le faire confiance à ce qui va le passer. Ok, CEPSA n'est pas un crédit encore, mais médecin après l'élection élection quand même. Et à qui CEPSA pour aller? Bah, aller à CEPSA, certainement. Mais on dit qu'on ne va pas faire le crédit. Pas faire le crédit. Donc il fait que je vais le veiller plus et je vais mettre le peuple à camper. Sous deux pieds pour garder ce qui a passé. Et c'est ça. Oui, je ne pas fait crédit. Je dis clairement, je ne pas fait crédit encore. Et regarder les résultats, j'ai organisé, j'ai eu des résultats, les gens qui gagnent. Parce que ça crive. Parti ça, qui gagne des gens qui en tête. Moi-même, je reconnais que vous avez de bons candidats. Pas de raison pour faire ça. Parce que vous avez de bons candidats, vous êtes capable de arriver maintenant même résultat. Sans que vous n'êtes pas obligé d'entrer dans le brigandage, ça va faire. Et CEPA participer là, dans les pactiser avec eux. Donc moi-même, j'ai perdu confiance dans CEPA. Et c'est un homme qui était toujours à défendre CEPA. J'ai perdu confiance dans CEPA. Vous insistez, vous perdez confiance dans CEPA. J'ai l'impression que c'est une crise qui a été annoncée. Dans le cas où médecin a l'élection présidentielle, médecin n'a pas passé, est-ce que qui ça va le produire comme impact? Ça va le dépendre. Peut pas ici, on va le parler. Peu pas ici à veiller, peu pas ici à camper des candidats déjà. Et c'est ça. Moi-même, je ne parle pas là, peuple là. Je vais l'expliquer, peuple là, que nous avons un match football, côté que nous avons un juge de ligne contre nous, habite là contre nous, et terrain pas pour nous. Donc, nous avons une bagaille, il faut que nous marquions pile goal. C'est public là pour nous. Ça, vous ne dites pas là. Jouer nous, il faut marquer pile goal, il faut nous faire pile point. Public là pour nous lier, il faut public là camper derrière nous, il faut peuple là. Voter nous en pile. Et le ça, quelque chose qu'on a fait, on ne peut pas prendre élection. C'est ça. Mais c'est nous, dans la Coupe Boston, ou dans la diaspora, et gagne un amendement qui, justement, te baille diaspora possibilité pour le participer, pour l'impliquer plus dans la question pays. Mais, et, ou même personnellement, dans la dernière conférence que tu as présentée Boston, ou fait qu'on a que ça qui passe à. Il a réglé toute bagaille, il va répéter exactement ce que tu dis, mais il n'y a pas un amendement. Et je dis, au candidat à la présidence, qui plan, qui s'organise un plan pour la diaspora? Bon, moi réitérer là encore, ce que tu as fait là, c'est un hypocrite qui t'a fait. Il a montré la diaspora, il a balancé un bagaille et puis il a repris la main. Et moi, je dis toujours contre ça. Parce que moi, je dis, et je répète pour tout le monde qu'on aime, médecin déclaré que passeport au nègre pas qu'à suffire. Pour le bord des droits sous pays où vrai document yo que baou comme papier yo yo pas qu'à servir pour lier au pays où ça que lier au pays où c'est ça dans cœur et nous connais pas qu'un haïtien qui suspend haïtien même s'il prend l'autre nationalité même s'il américain même s'il canadien même s'il français il pas l'autre nationalité ça ouvrir il était haïtien donc on a haïtien chanceux pour participer dans ce qu'a fait dans pays
tant comme électeur, yo ka choisi moun, tant comme élu, yo même tout yo ka candidat. Moi toujours pour et me dit clairement, médecin président d'Haïti pour la bataille pour que diaspora gagne tout droit même genre avec un haïtien dans pays ya. Parce que diaspora chodia en entend nous. C'est diaspora qui permet nous continuer survivre. Qui ça nous produit en Haïti? Rien. Je dis à tout ça nous besoin, c'est à l'extérieur d'acheter. Avec Ikob, c'est Ikob diaspora vous et ben non. Donc moi crois que diaspora mérite que nous avons l'autre regard sur lui. Nous gardons l'autre gens, nous comprenons l'autre gens et nous avons l'espace pour évoluer avec nous. Parce que c'est haïtien même gens avec nous. Mais les plus loin toujours. Diaspora nous gagne il y a 10 ans, c'est pas l'ingénieur aujourd'hui. Diaspora gagne aujourd'hui avec développement de la technologie. Il est beaucoup plus connecté en Haïti que haïtien qu'en Haïti. Même m'a dit tout le temps, il y a des amis, il y a des lois, qu'on gagne caoutchouc à bouler dans kafoula ka moi. Si on est qui aux États-Unis crelem qui dit caoutchouc à bouler dans kafoula ka. Ça veut dire nous gagne un rapprochement qui fait dans relation diaspora avec pays qui fait que nous pas qu'à dire diaspora c'est même diaspora encore. Nous pas qu'à dire haïtien que dehors pas contre pays encore. Pas vrai. Haïtien que dehors jodi a la vive pays au rythme que pays a bat. Chaque jour dans le pays, à travers la radio que l'attendez, il y a des gens ici qui tendent la radio Haïti, pire parce que c'est des gens qui en Haïti. Donc, même moi, je crois que la diaspora vive en Haïti, même là, ils vivent dans le pays étranger. Il faut que nous ayons le droit, il faut que nous ayons le moyen pour l'exprimer. On regarde 1, 2, 3, 4 dans la première mesure que vous avez gagné pour prendre en termes d'impliquer la diaspora en Haïti. Et ceci à quel niveau 1, 2, 3, 4 qui s'adapte. Ok, moi, je m'en ai dit, contrairement à ce que dit dans la Constitution, c'est que tout le monde qui est à l'origine haïtien, qui est haïtien dans 20 ans, moi, je me considère comme haïtien. Et il a le droit de participer dans tout ce pays à faire. Sur le plan politique, à quel niveau? Kazek, magistrat, président. Sur le plan politique, à tous les niveaux. Sauf que, il y a un bagage, je dit. Parce que je ne suis pas dans la démagogie non plus. On est qui va devenir président d'Haïti, sous l'autre passeport, dans la main, il faut qu'on remette les. Parce que ou capable de venir un conflit entre deux pays, il faut que le choix n'est pas difficile pour vous. Ou pas capable de dire que je dirige le pays d'Haïti pour qu'on passe aux Américains en poche en même temps. Si vous avez un problème entre Haïti, la République dominicaine, la République et les États-Unis, on prend un Dominicain. Si vous avez un passeport dominicain en poche pendant que vous êtes haïtien, si vous avez un problème entre Haïti et la République dominicaine, aucun problème. Donc, et ensuite, l'on va aller sous territoire dominicain, même sous président d'Haïti, on va être obligé de soumettre à des contrôles de citoyens dominicains qu'on n'a pas d'adoué. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a des règlements, il y a des questions de détail. Des questions de détail. Faut nous faire mise au point sur eux. Mais même, je veux pour que diaspora ait entièrement droit, même genre avec un haïtien, pour être capable de faire tout ça un haïtien capable de faire. Je n'ai pas de problème que c'est Azek Kazek, délégué de ville, magistrat, et député, sénateur, président de la République, ministre et premier ministre. Je n'ai pas aucun problème. Mais à chaque niveau, vous connaissez, il y a des petites contraintes, il faut qu'on mette quand même. Parce que vous n'avez pas fait bagarre là ouvert, net, et là, ça, ou risquer ça, ou être arrivé, Fujimori arrivé, il y a des problèmes dans le pays, il est parti, il est au Japon, et puis il tourne en japonais. Non, il n'est pas bon comme ça. Je crois que gagne des questions de détail, il faut en arranger, mais moi-même, je voulais que diaspora gagne l'entièreté de ses droits et que l'on est capable d'agir même Jacques Haïtien, même si nous gagnons des petits points, il faut nous entendre. C'est ça. Il y a une autre question encore. Alors, c'est dans l'élection que vous pouvez aller, naturellement. Et problème, il faut nous tacler, il faut nous garder position sur le problème. On garde position, médecin, sur question. Parole qui a parlé dans l'arrière, question homosexualité, etc. Loi ça a voté dans le Parlement. Et qui position met séance sur question ça? Bon, pour moi, je me dis, Haïti, pourquoi parler pour ça? Nous avons tellement de problèmes pour nous résoudre, mes amis, c'est pas ça pour l'entrée. Sur question homosexualité, moi, je dis, on va mettre corps, on fait sauver la corps. Mais on ne peut pas imposer personne. Donc, je suis clair sur ça. Je ne sais pas si nous parlons de voter une loi comme ça. Donc, vous comptez ça? Bon, moi-même, je ne suis pas dit, je compte que le monde a fait activité avec corps. Moi-même, je compte que aujourd'hui, c'est dans la loi. Nous parlons sur l'homosexualité. Les gens ne peuvent pas manger dans le pays. Les petits de 12, 13 ans, pensent que les gens ne peuvent pas manger. Nous avons un autre problème qui est plus sérieux là pour nous pencher sur lui, que nous ne pouvons pas entrer dans la question ça. C'est ça. On regarde dans le niveau et programme nan, et médecin, il y a un problème République dominicaine, nan, son bagage qui est sérieux. Il est sérieux et ces derniers temps, il crée un pile oui. En fait, remous. Comment médecin entend aborder la question République dominicaine? Bon, moi, je m'entends aborder la question République dominicaine à plusieurs niveaux. Premièrement, au niveau bilatéral,
discuter avec la République dominicaine, parce que quand même, faut qu'on ait, il y a une charge historique dans la question ça. Pas oublier, la République dominicaine gagne quand même des ressentiments vis-à-vis de l'haïtien, il faut que tout le monde connaisse. Nous t'es occupés, et ça, pas jamais sorti dans la tête, yo. Donc, on croit que une mise au point pour faire avec la République dominicaine sous ça. Faut nous faire du point de vue multilatéral, tout. Faut nous entrer dans notre pays dans la question. Faut nous entrer la communauté internationale dans la question. Faut nous traiter la question comme une question de droits humains. Donc, faut nous faire. Maintenant, l'autre gros problème, c'est que qui ça nous gagne vraiment là? C'est la République dominicaine a retourné haïtien la caillou, a retourné monde qui illégal la caillou, la caillou, t'as refoulé nous? Bon, moi, je dis un bagaille. On ne peut pas empêcher un pays où refouler monde illégal la caillou. Mais, il y a une manière pour ça faire, il y a une gens pour ça faire, il ne faut pas faire de manière sauvage. Un. Et deuxièmement, la solution. C'est nous pour dégager, mettre stabilité la caille nous, mettre travail la caille nous, qu'embé petite nous la caille nous, pour pas prendre humiliation devant n'importe quel autre monde dominicain et dans n'importe quel autre pays, parce que c'est pas République dominicaine seulement, mais regardez Bahamas, ça qui a privé en pile côté après fouler nous. Et donc même quoi que problème pas doué poser par rapport à l'autre, les autres pays. Oui, moi pocher la République dominicaine de la manière dont la agit avec nous qui de manière inhumaine. Moi reprocher ça. Mais la chose à faire, c'est travail pour le travail, mettre bon leader dans le pays, mettre un bon leadership, suspendre corruption, faire bonne gouvernance, mettre des gens vraiment qui sont capables de diriger, faire un leadership collectif, chercher tout le monde qui est compétent, tout le monde qui est capable, tout le monde qui est crédible, mettre dans la gouvernance du pays pour que nous capables ouvrir le pays, mettre stabilité, pour ne pas avoir manifestation toute la journée, car tu as boulé toute la journée, mon abcasé vite machine, mon abcasé caïmon, pour ne pas avoir insécurité, ça nous gagne. Donc nous devons, je dis, garder bien pour nous, j'ai nous l'aide, faut que nous vienne plus belle. Et pour nous vienne plus belle, faut que c'est ensemble nous faire, faut que nous remettions notre, faut que nous fassions l'amour, faut que nous fassions l'amour, et faut que nous fassions tout le monde là-dedans, faut que nous ne pas exclure l'autre monde, faut ne pas exclure diaspora, faut ne pas exclure famille, faut ne pas exclure jeunes, faut ne pas exclure paysans, faut nous mettre tout ensemble. Il faut mettre tout le monde ensemble pour aujourd'hui, pour faire un choix pour le pays. Mais le bon choix que tout haïtien est capable de regrouper, c'est un idéal commun en nous, chercher, mettre prestige sur nous, en mener le pays de l'autre côté, que petit pays est capable de vivre là-dedans, il est capable de jouer un travail, il est capable de manger, il est capable de l'école, il est capable de priorité. L'heure est temps, dans le 21e siècle, pour nous faire rumbler ça entre nous. Entendre ça entre nous, compréhension ça, sincérité, dans la sincérité, mais solidarité, la fraternité, la compréhension, la collaboration, la coopération pour nous retirer le pays dans sa lia. C'est vrai. C'est ça. Mm-hmm. C'est ça qui vous résout le problème de la République dominicaine. C'est ça. Mais et, en fait, qui observation Remé Haïti fait et, en la personne de Médecin sur la situation aujourd'hui nous gagnons en Haïti et qui est la priorité Remé Haïti à travers Médecin pour situation la vie Haïti Haïti avec aujourd'hui. Moi je dis la priorité des priorités. C'est qui ça lié? Travail avant toute chose, travail avant l'éducation, avant manger, avant toute chose c'est travail. Parce que si n'arrivez pas à travail, mon n'a pas capable dégager pour petite l'école. Si n'arrivez pas à travail, mon n'a pas capable dégager pour le manger. Je dis avant toute chose le travail. Pour qu'on chiffre notre tête ou et nombre d'emplois qu'on pensait un gouvernement administration c'est incapable de créer dans le pays. Ma boyon, il y a monde qui pense le farfelu mais m'a dit parce que m'a dans ouais côté m'va le faire. 100,000 jobs dans 100 premiers jours pour 100,000 jeunes. Wow. 100,000 jobs 100 premiers jours pour 100,000 jeunes et reste monyo. Non, ça veut dire qu'il y a travail qui va le faire. Ça, c'est un exemple, mais prend. Et ça, parce que je me focus en pile sur la jeunesse. Mme Dolly, je me carrément déclaré le candidat de la jeunesse. Mais quoi, en pile, que travail qui est pour faire là. Parce que nous, on dit priorité à ce travail. Mais l'on vient de mettre travail là tout de suite, il faut aller dans éducation, changement de mentalité. Parce que si on met travail, on ne va pas changer de mentalité du peuple, on va tomber dans ce même bagage là. Il y a un monde qui a dit comme ça, et bagage ça, médecin, il y a son bas électoral. Quand les médecins viennent l'argent pour créer 100 000 emplois dans 100 jours. Quand pile côté nous capable jeune cob là cité quelque bon vous connaissez me voulez réserver sur ça un petit peu parce que chaque... non alors j'amitié les loin je t'arrêter connaît téléspectateurs qui regarder vous t'arrêter quand doit là demain matin on mettait un petit load seulement sous frontière là on rentrer au moins en 200 millions et 300 millions de dollars ça m'a dit là m'a besoin plus qu'on 50 millions de dollars pour me faire. Ensuite, si démontrer mon capacité de remboursement, capacité d'investissement que l'État pourra le faire dans le monde, et capacité l'État pourra le faire pour faire le monde venir, capacité l'État pourra le gagner pour l'entrée cob à partir de l'investissement que l'État pourra le faire, une bonne garantie, je vais le cob là. C'est ça. Mais c'est qui position et en plus, cob qui a gaspillé dans l'État, en pile l'argent qui a gaspillé dans l'État. Je veux dire, c'est le moment de l'austérité, souvent austérité, je vais le cob là. Pour 100 000.
ou jeune cobla. Et parce que jeune ça on va mettre au travail là, c'est une sorte de démonstration qu'on va le faire, on va le montrer ça. C'est pas en pile l'argent. C'est pas en pile l'argent. 20 30 millions de dollars suffit pour faire. C'est pas en pile l'argent. C'est ça. Et comme ça au cas jeune dans l'administration rien qu'en faisant de l'austérité et suspendre gaspiller l'argent d'État dans un paquet de bail farfelu ou joindre comme ça pour démontrer ça. Réduire un peu quelques belles machines de luxe qui a brûlé dans le pays. C'est pas ça seulement machine voyage, on conseille de bagages qui n'est pas nécessaire. Je dis à fond qu'on est dans nos pays qui pauvres, nous pas qu'un comportement pauvre dans pays pauvre. Oui moi dis nous sommes pays pauvres, c'est pour nous gagner comportement monde qui vit dans pays pauvre sans que nous pas pauvres dans l'esprit non. Faut que nous grand dans l'esprit nous pour nous faire ouverture nos besoins. Mais faut nous connaître la vie dans pays qui pauvre et que gagner attitude nous pas qu'à gagner. Est-ce que médecin pour rétablissement la médaille d'Haïti? Moi même pour l'institution d'une force de contrôle, parce qu'on a besoin de sécurité, hein? On a besoin de services d'intelligence, pour une force de contrôle. Est-ce qu'il faut mettre la médaille d'Haïti? Je ne suis pas tellement sûr. Mais pour le moment, moi dis, pour mettre la médaille d'Haïti, il faut remplir l'argent. Pour le moment, on nous professionnaliser la police, non? On nous mettait plus de monde dans la police, là. On nous mettait des corps dans la police, là. Qui pour nous, ça l'armée, c'est qu'à là. Après ça, là, nous stabiliser la question, ça n'a gardé pour l'armée. Mais pour le moment, moi, je crois que nous n'avons pas besoin de penser à l'armée. Là. Oui, nous avons besoin de force armée. Mais même aller loin, nous avons besoin de force armée qui va rien amener. Donc, il y a des gens qui pensent aujourd'hui, par rapport à tous les problèmes la République dominicaine, vous pensez que sur le plan sécurité, nous avons des gens très faible et il y a des raisons sous nous, il y a l'armée, nous même nous pas gain l'armée par rapport à comparé à eux-mêmes à République dominicaine. Donc nous sommes très faibles. Donc nous pas qu'à bailler aux répliques. Son rapport de force lié. Donc je pensais que gain parole qui a parlé dans l'aria président Martelly avant l'aller lui-même l'a mettait l'armée à camper. Bon, est-ce que il y a moyen pour ça m'a quoi? Est-ce que l'argent, je dis à quoi on est David? Est-ce que moyen pour ça? Bon, le président Martelly est capable de gagner des idées que le quoi qui, c'est des bonnes idées. Mais il faut chercher moyen. Nous n'avons pas moyen pour ça, je dis. Je dis, moyen pays a fait pour le concentrer, pour nous créer environnement, pour nous attirer investissement. Moyen pays a fait pour le concentrer, pour nous suspendre, acheter tout ça dans besoin de la République dominicaine, pour nous produire. L'agriculture, je dis, avant de travailler sur lui, c'est une priorité liée. Il faut investir dans l'agriculture. Il faut l'État investir dans l'agriculture. Là, je dis, pour que dans 3 mois, dans 6 mois, nous puissions commencer à nous manger. Nous avons fait ça, nous avons fait déjà. Donc, je crois que si on coupe, je dis, si on a un moyen que je ne connais pas, c'est dans l'armée nous allons mettre. On nous professionnalise les forces de police, on nous pense à l'armée. Parce que quand même, mon pays a besoin de l'armée, mais il n'est pas obligé, je dis, il a fait dans 4 ans, il a fait dans 5 ans. On nous pense, je dis, mais des sécurités dans le pays. Ce n'est pas forcément l'armée qui a baoule. Deuxième bagaille, nous ne pouvons pas la guerre avec la République dominicaine. Nous ne pouvons pas moment ça prêter à cela. Nous ne pouvons pas la guerre avec. Et puis ensuite, vous connaissez, nous avons fait la guerre avec Napoléon. C'est n'a fait la guerre. Et par quantité de monde nous gagne qui est important. C'est détermination. Avant dernière question, médecin gagne pile parole qui parlait et nous pas connait en fait nous pas investigué sur ça pour nous connaître et vrai fondement, il y a gens qui pensaient que gagne en pile étranger qui occupait et pays aujourd'hui qui a envahi et qui a puisé ressources que Haïti gagne. Et comment médecin t'en aborde des questions ça? Bon, moi même pas quoi. Mais si c'est vrai, médecin, quoi qu'il faut que l'État mette en contrôle. Parce que nous gagnons, même moi presque certain, hein, que nous gagnons des ressources souterraines, des ressources minières. Mais quoi, nous gagnons, et peut-être que nous gagnons pile. Mais nous pouvons, vraiment faire prospection, nous gagnons pour nous faire. Même quoi, c'est une question pour l'État prendre en main. C'est pas qui va vous en l'air, nous parler en pile. L'État a dû prendre ça en main pour que l'État fait des accords qu'il faut pour nous faire prospection et qu'on ait ça nous gagnons vraiment dans le souterrain. Non. Pour le moment, même quoi, on nous plutôt quoi, dans ça nous gagne en l'éther. Ça nous gagne en l'éther, c'est monde. Capital nous gagne aujourd'hui, c'est monde, c'est capital humain. C'est avec eux pour nous travailler, et puis maintenant, on travaille pour nous arriver dans sa campagne. Pour le moment, on travaille avec monde, on va monde manger, on fait que monde suspend le tri et manger dans Fatra. On va monde l'eau pour boire, c'est pas normal. On va lever matin dans la cabane, le lever le pagain. Premier élément, on fait contact dans la vie. C'est avec de l'eau. L'eau levée dans le carbone, c'est avec de l'eau fait contact. Ce n'est pas normal pour nous lever le baguette de l'eau. On fait que Timon n'a pas marché 3 heures de temps pour aller à l'école. On fait que l'école vienne joindre Timon au côté. Nous avons pile bagaille pour nous faire. Mais avec nous, d'abord, il nous faut ce discours qui permet que nous avons une compréhension entre nous. Parce que nous sommes là pour nous venir cette nation que nous côté nous tous, nous avons intérêt commun. Ça a manqué nous en pile. Nous n'avons pas aucun intérêt commun. Et si on regarde Haïti, j'en ai évolué, chaque monde a une boîte paille, chaque monde a une case paille, ça a forcé à changer. Et c'est pour ça, moi-même, je prends un sacrifice pour mettre tout le monde ensemble.
tout le monde la donne. Mais quoi la donne, c'est pas un slogan seulement lié, mais quoi la donne, on met tout le monde ensemble. Il faut nous ramasser tout le monde pour nous parler ensemble, pour nous avoir une compréhension commune, pour nous voir que nous avons un pays et c'est le seul pays qui gagne. On met à vivre ici, c'est pas pays. Au compte ça, passé. Et pas pays où on grand pays, les Haïti. Et ben on nous mettait ensemble avec diaspora, avec famille, avec paysans, avec jeunes, avec grand monde, avec tout le monde pour nous gagner un autre pays avec bourgeoisie, avec classe moyenne, avec masse peuple là. Faut gagner une compréhension, un discours de compréhension qui vous fait seulement dans l'amour. C'est pour ça me gagne cœur comme emblème. Et c'est pour ça parti en relé, remet Haïti. Remet Haïti, nous sûr que la presse haïtienne est capable pral nuire avec question ça médecin. Et probablement on gétan gen la tête ou gétan wè ki question pral poser et c'est sûr que dans cadre campagne ou dans débat pral fait, il y a posé question ça. Dans le cas où il pose une question comme ça, qui Jean médecin a répondre sous et ka y a pile monde qui crasé en bas dans Port-au-Prince. Il dit ces médecins, comme si il y la question à tout. Et c'est sûr que la question, ça après nous, médecins, comment on va répondre à la question? Ça vient tout le temps, mais tout le monde connaît. Et ou même si je pose une question, on va répondre. Tout le monde connaît, médecin va pas craser. Qui ça, médecin, il est pour le craser? Médecin, c'est un notaire qui fait papier. Et qui ça? Comment il craser? C'est l'État qui décide de craser. Qui est-ce qui t'a quitté dans l'État? C'est Michel Matelier, Laurent Lamotte qui était dans l'État. Mais pour qui ça vous voulez sous nous? C'est des politiciens véreux et des gens qui étaient quittés par le candidat, ou bien Austin Février, ou bien M. Madistin, qui était par le candidat, qui était un candidat qui est fort devant, fort je ne vais pas vous accuser, le deal de craser le peuple là. Et comment on note? Hein? Et bien on est intelligent quand comme on est intelligent quand comme on est qui pral candidat à la présidence ça rentrer dans craser caï et qui intérêt me dans la donne ça me d'abord joindre la donne. Deuxièmement ouais même monde tout le monde qui là dans tout son paquet de candidats même monsieur tant d'écrire les maras ça capé des pas de délire c'est ton candidat à la députation donc nèg ont besoin marche pied on tremplin avec de craser tout le monde connaît on notait pas craser caï encore médecin moi je suis un homme de construction bon homme de destruction m'a pas craser caï peuple. Et moi dit plus. Et m'a dit peuple à ça. Yo craser le peuple à mauvaise condition. Moi-même, m'a reconstruire le peuple là. Tout le monde qui est dans zone là, mandé yo mettre en association, mandé yo faire association yo. Yo faire association yo et c'est moi qui pas le reconstruire yo pour yo. C'est ça et y a fait signe régie a fait signe pour nous terminer interview là et merci enlevé 8 février 2016 qui prend la première action en gouvernement médecin pour le mettre sous pied qui première action. Hop saisi. 8 février 2016, premier action, c'est marcher dans possession avec peuple haïtien en demandant la paix entre nous. Pour que nous ayons stabilité, pour nous reconstruire le pays ensemble. Je vais demander tout le monde de mettre ensemble. Tout candidat qui n'a pas gagné dans l'élection, il n'a pas perdu. Pour demander nous tous ensemble. C'est la première action que je vais faire. Et à chercher tout le monde, mettre tout le monde ensemble. Pour ensemble, nous faisons plein. De sauvetage national sur 30 ans, sur 40 ans, côté nous tous pour l'engager, non, avec tout notre leader, que quel que soit ça qui passe, nous avons changé chauffeur, nous pas changé machine. Locomotive là près de même, nous tous pour aller dans le sens construction pays. C'est le premier bagage que je voulais faire, faire tout haïtien comprendre qu'on a l'autre dynamique qui campe, qu'on a l'autre qualité de monde, qu'on a l'autre qualité de pouvoir, qu'on a l'autre qualité ambition qui digne, son ambition vertueuse. Ambition pour nous changer pays ensemble. C'est le premier bagage. Télé loin, merci au métier. Merci, merci beaucoup, Trésil. Et m'espérer, n'a une chance pour nous parler encore. Je suis content de l'interview. Merci. Merci. Regard. Regard se veut un espace hebdomadaire idéal pour nos concitoyennes et concitoyens de l'intérieur comme de l'extérieur. Analyse lucide et commentaires objectifs de l'actualité nationale et internationale. Religion. Politique, histoire, économie, éducation, sociologie, art et culture. Regard, une émission préparée et présentée par Jean-Samuel Trésil.